amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bienvenue en émission pour la Haïti 360. C'est avec un pile qui est content. Eh bien, nous rejoignons justement pour nous continuer à faire promotion, connaissance éclairée, j'en ai toujours dit dans l'émission ça, et permettre que des débat arrive plus loin pour Haïti capable de prendre chemin développement et chemin démocratie. J'en ai toujours apprôné là dans l'émission. Dans l'idée pour l'état de droit capable de tourner en réalité tout bon vrai. À ce moment-là, nous allons parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui concerne nous particulièrement, parce que sans détour, nous allons parler de questions. Salaire minimum, non, qui toujours fait en pile par en pile, surtout les premiers mois arrivés ou bien mois de novembre arrivés. Côté de gain ajustement qui fait au niveau de question salaire là, surtout avec ouvriers textiles et l'autre syndicat qui pas jamais suspendre manifester, toujours une réaction, mais qui a sorti tout partout, que ce soit bon côté l'État, bon côté patron, bon côté syndicat, parce que en tant que pas jamais vraiment total autour de niveau que salaire minimum dans lui-même l'État doit arriver. Ah ben à ce moment, nous allons regarder avec invité nous. Qui gens nous capables arriver plus ou moins dans disons conciliation bien que patron avec ouvrier sans nous pas répéter des maximes marxistes et c'est pas vraiment deux entités qui concilient parce que intérêts ont trop divergents intérêts aux gens nous dit à les croiser cependant pour société arriver fonctionner faut bon côté et ben bon entendre des concessions faites de bord à bord et pour permettre que Jean nous dit que arriver une conciliation et permettre que le pays aller mieux fonctionner. Nous allons regarder pour nous avec invité nous. Eh bien, qui Jean ça qui arrive fait, qui côté nous rejoindre aujourd'hui, pour qui ça salaire minimum dans ce qu'on s'est fixé au lieu de fixer de l'autre manière, qui rôle l'État doit jouer, qui rôle patronat doit jouer, qui rôle tout, eh bien, ouvrier ou même l'État doit jouer pour permettre justement que en tant que ça n'a pas l'air, il vient tourner en réalité tout bon vrai. Mais juste avant que nous découvrions invité, n'a pas pris pause là. N'a pas tourné pour nous discuter et faire promotion parole éclairée. Je ne peux toujours faire en dans émission pour la Haïti 360. Haïti 360, salaire minimum qui j'en nous arrive à une conciliation entre patron avec ouvrier. Dans l'idée pour nous permettre que le pays a fonctionné et éviter crise, et qui a créé ça d'arrêter instabilité en un pays, qui a créé tout et division en différentes couches sociales. Nous allons regarder ça avec invité nous et Glifford Serran qui pral et bien pour le porter lumière, porter grain de sel par dans débat, dans l'idée pour qu'on pique pour qu'on comprenne la dynamique qui gagne entre patron ouvrier et l'État et qui raison qui fait que doué bon entente. On a dit même qu'on entend minimal, mais pour permettre que le pays a les mêmes jeunes d'Abdia, l'Ikembe stabilité et l'Ikembe un climat qui est plus ou moins apaisé. Rivard Serran, d'entrée de jeu, n'a pas parti avec thématique là. Est-ce que y a moyen pour entendre entre patron avec ouvrier, surtout sur question salaire? Là, nous avons le patron lui-même, il n'est pas payé en pile pour le café plus bénéfice. Ouvrier à l'idée de livre les toucher plus pour le cas changer et améliorer les conditions de la ville et l'État n'a mis tant ça. Est-ce que conciliation possible? Bon, bonsoir et Lionel Edouard. Salut tout technicien qui a fait manœuvre technique et directeur information, c'est Génio Lindor qui a coordonné l'émission et tous téléspectateurs et téléspectatrices et capitaine de nous qui a gardé nous. Dans le moment, ça, c'est vraiment plaisir moi, pour que moi réponde à l'invitation et je assois pour nous garder un ensemble de questions surtout. Qui a fait actualité économique dans le pays et nous croyons que c'est important des fois pour gagner des techniciens, des spécialistes pour avoir des points de vue techniques et pour aider les populations à comprendre des bagailles et des acteurs, des décideurs tout à comprendre des choses. Bon, vous posez moi une question que vous posez dans la main, c'est que vous posez moi peut-être en quatrième ou cinquième ouais, d'entrée de jeu ou lagué. Donc, question en tête. D'abord, il faut nous dire que l'on parle de salaire minimum, c'est qui ça lié. Je garde une définition de salaire minimum. Non? Moi que gon volé la donne qui pas respecté et pas seulement en Haïti qu'il va respecter dans pratiquement tout pays qui semblait avec Haïti yo et ou toujours tout problème ça yo. OK ça fait moi même nous va voir ça tout à l'heure donc ça veut dire que comment ça me devait qu'a passer en Haïti c'est des bagages qui lié à contexte socio-économique pays niveau de développement économique dans pays et c'est pas ni des fatalités ou bien ni on magie qui fait comme ça regardez tout pays qui a fait beau revenu qui gagne des revenus par habitant qui n'a $700 $600 au Burundi qui n'a $800 c'est des pays qui ont ensemble de problèmes qui a toujours confronté OK parce que niveau de développement économique pays a ensemble de bail pas répondre avec eux même donc j'en te dis à tout à l'heure salaire là minimum qui salaire minimum son salaire que l'État fixe
c'est pas ni patron qui fixe salaire minimum, c'est pas ni syndicat, c'est l'État à travers une loi qui vient une politique publique, parce que toute loi c'est politique publique. Et depuis des gouvernements identifient un problème et formuler des solutions et puis adopter soit en conseil des ministres ou au parlement, ils viennent automatiquement politique publique. Donc la loi sur le salaire minimum, c'est une politique publique. Bon, là, la mettre chapeau et technicien politique publique, vous me dites ça parce que moi fais études dans le domaine. Non. Maintenant, salaire minimum, non, c'est l'état fixé. C'est au niveau de salaire, côté que quel que soit le monde qui travaille dans le pays, il n'est pas supposé accepter un salaire qui est plus bas que ça. C'est ça que salaire minimum. Non. Ça, c'est un. Et quel que soit le monde qui bon monde qui travaille avant, si un salaire minimum qui est fixé dans le pays, on n'est pas supposé payer le monde plus bas que le salaire. Ça, ça c'est le premier volet. Mm-hmm. Que pense, et, ben, si on ne veut pas payer le monde plus, tout n'y a pas de problème. Maintenant, le deuxième niveau, le deuxième volet, c'est que dire que salaire minimum, non, son salaire, calcul que l'État fait pour que lui fixe salaire minimum, non, ensemble avec, bien sûr, et patronat, ok, syndicat, ensemble de acteurs, faut que l'on niveau côté que salaire la permette que mounan lui réponde à des besoins fondamentaux, ok, à des besoins de base comme l'alimentation, question de nourriture, question de vêtements, question de la santé. Maintenant, c'est là, c'est deuxième volet, ça, là, qui est problème, qui fait que je dis à la, ouais, même ça qui t'a passé en mai 2017, nous songeons ça exactement, jour pour jour, date pour date. Mai 2017, il y a une manifestation en Haïti pour que ce soit le minimum ça. Je dis à un an plus tard, mai 2018, où retourner dans le même bagaille, le même scénario. C'est la même réalité. Là. Et bon élément fondamental pour ce sujet-là, c'est le fait que ça a l'air de permettre que les gens soient capables de renouveler force de travail. Là, c'est une avalée de dire comme ça. Yeah. Et est-ce que je veux dire, ça a l'air minimum qui est en vigueur là, permettre que renouvellement ça soit fait? Oh, c'est le permettre. Il y a une manifestation dans la rue. Ce qui est clair. Et tout économiste veut connaître ça. Je veux connaître que. Et ce n'est pas seulement dans le secteur textile là, non, que ça a l'air là, libre, ça a l'air minimum. Là. Bien que le bas. Il y a des gens qui ont touché même au-dessus du salaire minimum, le salaire est toujours, paraît toujours très bas et que les pas qu'à permettre que les gens, par rapport à la charge, par rapport à besoin, que les sont venus avec besoin. Il y a des gens que je connais, soit qui travaillent dans la maquette ou bien dans des banques comme caissier, banque commerciale, ou bien agent de sécurité, mais tout le monde a un problème. Le salaire qu'ils ont touché, il n'y a pas qu'à vivre vraiment convenablement avec elle. Bon, élément fondamental. Patron, il y a des arguments, et ouvriers, tout y a des arguments. On commence avec l'argument ouvrier. Premièrement, on a parlé de questions qui ne permettent pas que les gens vivent, même dit décemment, ne mm-hmm. permettent pas que les gens vivent, tout simplement. Ils ont demandé. Bon, ils ont vivre, ils ne pas qu'à. Ils ont demandé 1000 gouttes comme salaire, journée aujourd'hui, salaire minimal. Est-ce que 1000 gouttes là, c'est raisonnable? Dans le contexte aujourd'hui, tout, est-ce que ça n'a l'industrie en Haïti, le grand commerce, ils sont en mesure pour offrir un salaire de 1000 gouttes? Est-ce que 1000 gouttes là, c'est raisonnable? On économise pas qu'à sortir la caille ou bien un bureau et puis il vient là et puis il dit oui, 1000 gouttes là, raisonnable. Mm-hmm. Comme ça. Parce que, bon ensemble de données, il faut gagner un mot pour faire calcul pour voir est-ce que ça a l'air là, on a fixé la 1000 gouttes ou bien on a 800 gouttes. Donc, moi-même, je ne vais pas arrêter, je vous dis là, 1000 gouttes là, c'est raisonnable, ce qui est basique, je vais dire ça. Mm-hmm. Et ça arrive que, ouais, même si on a 1000 gouttes, je dis là, après un an encore, bah la vie tellement red pour parce que 1000 gouttes ça fait bon peut-être ça va le faire par contre l'état va pas taxe sur lui peut-être par contre s'il cavine vivre dans moins de 20000 gouttes mais 18000 gouttes après taxe peut-être fait 25000 gouttes pour moi ça arrive pour moun yo parce que va arriver ouais lorsque on travaille qu'on cercle ouais tout temps toucher plus et plus besoin va augmenter très bien parce que il y a des changements de comportement qui va venir gagner qui vient faire que donc train de vie l'a changé ou quoi comme si m'a dit bon ou pas ca petit cabane ça pas ça là ou pas coucher sous lit encore faudra qu'on cabane qui plus ou moins descend petit touyo te qu'on a brejina ou quoi dit bon pas brejina encore parce que toucher 25000 gourdes de décider gourdes faut qu'on a boire bon pas même faire promotion pour notre produit donc ça veut dire que c'est ça donc ça veut dire que son cercle qui ont des gens difficiles son équation quotidien difficile mais ça ne rete ça me doit de la taloya là et yon économiste comme si me doit au centre qui pas m'pa konnen dans conseil supérieur des salaires mais qui fait calcul déjà pas arrêter pour dire que salaire là faut que tu fixer à temps mais ça que seulement n'a dit c'est que dans niveau que salaire là aujourd'hui là
tout économiste est conscient que ça l'est là vraiment. Alors pour nous prendre un argument patron, c'est le problème de compétitivité et entreprise qui pose, qui fait que vous n'avez pas bail, d'après ça, en pile là d'audit, salaire là. Est-ce que, jour à la il bat mon salaire qui plus ou moins approchant de demandant vraiment pour affecter la compétitivité en entreprise? Bon, moi-même, c'est Mda où elle n'a pas affecté la compétitivité, Mda pour elle sur un plan positif. Parce que j'ai fait l'étude qui montre que et un ensemble d'entreprises, lorsque, comme c'est Mda dit, ils ont amélioré les conditions de mon yo qui vivent dans l'entreprise là et que l'entreprise là est capable de faire plus de profit. Et nous, ouais, ça avec, bon, mais que c'est un bail qui passe, ça fait très longtemps avec Henry Ford, ok, lequel était presque doublé salaire aux États-Unis. Donc, monsieur, le profit, monsieur, devine augmenter de manière considérable. Mon débat, c'est que le défaut, elle fait ça. Mais, moi-même, je ne parle pas comme ça parce que, grand pile, l'autre industrie textile, soit en République Dominicaine ou bien et Nicaragua avec l'autre côté et au niveau de l'Amérique latine avec Caraïbes là. Donc, yo, même ça, niveau de salaire que nous avons en Haïti, ya, les plus bas passés, yo. Et le plus bas passé, et ça va vous dire que Haïti plus compétitif passé pays. Est-ce qu'on a dit Haïti plus compétitif passé République Dominicaine dans la question textile? Et compétitivité, elle n'est pas seulement liée à la question de salaire. Donc c'est tout un panoplie de facteurs, de piliers qui fait compétitivité. Okay? Donc ce n'est pas seulement salaire. Alors, il y a des gens qui ont réfléchi dans nous maintenant, surtout dans le domaine social, qui gardent, mis à part, ça n'a pas les pécuniaires, l'argent qui vient dans les mounions. Mais d'autres compensations que tu as faites pour permettre justement que le minimum que nous recevons. Comme l'argent, en ben, il est capable de vivre avec lui. Qui ça empêche par rapport avec l'expérience que nous avons maintenant que type de compensation, ça, par exemple, transport pour mon yo, mon cafétéria dans l'espace côté où il y a, et ben, tu as venu, venir supporter l'effort que tu as fait là pour être capable de gagner, ça te narrer un train de vie plus ou moins décent. Bon, d'abord, il faut gagner une volonté là-bas. Il faut gagner une volonté là-dedans, et puis il faut gagner des groupes vraiment de pression. Et que avec d'autres autorités, par exemple le Parlement qui est entré dans bagarre là pour faire que bagarre là li ou structurel ou institutionnalisé. Dis les bagarre dans bouche dans radio comme ça ou pas jamais comme si j'ai un résultat. Et c'est un plus gros problème que nous gagnons ici. Donc n'a annoncé des bagarre dans radio, bien faire des promesses dans radio, bien la télévision, mais bah il y a pas documenté. OK? Il y a pas documenté. Donc qui document que moi aller pour dire que par exemple OK, yon ouvrier qui travaille tel il doit tel transport mais il gon quatre dans main, il gon tout bac. Bah ça faut que documenter. Faut que son politique public qui définit pour ça. Dans le cadre d'une politique globale, d'une politique sociale globale en deux pays, et c'est un plus gros problème que j'ai, par exemple, je me suis là moi-même fait des études en politique publique, toujours des problèmes avec ça parce que je vois que en Haïti on ne fait pas vraiment la façon de faire des politiques publiques, ça relie policy making, public policy making, pas ouais que parce que politique publique sont sciences que les sciences là nous sommes mettés hydrogène avec oxygène la boîte de l'eau. OK, même si on prend hydrogène normal mettre là avec potassium là bon l'autre bas pas besoin de loi. Mais politique publique tout, yo dit comment pour faire des choses, comment pour résoudre des problèmes. Que des démarches au pour pays en Australie que me gain chance vivre pendant 2 ans en Australie, gouvernement avec parlement, yo met ensemble, yo défini yo même le bon problème qui arrive dans pays là, mais qui différentes étapes que y a suivre de 1 jusqu'à on croit que près 7 étapes, yo même 7 à 8 étapes. Pour suivre comme si pour arriver dans la résolution du problème. Non? En Haïti, nous pas vraiment, nous n'avons pas de problème. En Haïti, il y a un problème qui arrive, bon, là, je choisis de résoudre le problème dans les gens qui le veulent. Et chaque fois, après, regardez, depuis après 86, dis-moi qui problème en Haïti, je vais me résoudre. Tout problème est toujours là. C'est parce que j'en. Oui, j'en ai pas ces problèmes, j'en ai réfléchi sur eux, j'en ai. Et apporter des solutions à eux. Même, ils n'ont pas entré dans le cadre scientifique. Donc, c'est des débats pas tout le monde qu'on a fait. Et ça, il faut que je dise à la, je vais dire à la question, qui ça fait que mon mieux pas arriver à joindre des assistances sociales, des programmes sociaux, OK, pour accompagner eux. Et par rapport à et ça, en termes de bon, si par exemple, il y a des calculs qui font qui montrent que ça est là, bon, c'est dans tel niveau que le cas, il n'y a pas arriver plus que ça. Mais si il y a une possibilité pour qu'il y ait des avantages sociaux que bail mon mieux, mais faut que son bagage qui est défini, donc faut qu'il pas arrêter seulement à dire dans des discours, donc faut parlement et ensemble de l'autre acteur, même au niveau de la société civile. Bon, par contre, on est allé nous passer même passer pour l'université parce que moi on a plus reproche même si ma travail. Il faut des réflexions qui fait même si ma travail dans l'université à tout. Même quoi que et l'université a un gros rôle qui est capable de jouer dans genre de bagage. Parce que il n'est pas normal pour que un bagage qui t'a fait en mai 2017 pour mai 2018 là dans pays pour retourner même gens encore et on n'est pas besoin de grand intellectuel pour te gagner temps et justement et en termes de prévision ouais que problème n'a pas le poser pratiquement exact. Même gens un an après exact. Alors juste avant que nous venions regarder qui rôle l'État et peut-être même
aborder question réflexion universitaire qui t'a de fait autour de question salaire minimum non et pour population parce que nous regardons pour nous garder en séquence là justement une séquence là qui mécanisme l'État utilisé et ben pour justement les fixer question salaire minimum non pour tout le monde là je vous dis à tout comprendre. Bon, et comme vous connaissez même j'avais d'abord il y a un conseil supérieur des salaires qui met en place qui est une bonne chose et il le fait dans tout pays. Et moi, en République démocratique du Congo, il y aurait le pays, Conseil national des travailleurs, ou CNT. Donc, chaque pays, il y a un nom qui est au Bali. Maintenant, l'institution salariale, c'est lui-même qui est placé pour, à partir d'un ensemble de facteurs, d'un ensemble d'éléments, ok, contexte d'évolution économique, ok, regardez que l'inflation augmente et évolué le coût de la vie, tout ça. Et il y a d'autres pays qui ont d'autres indicateurs qui ont entré. Donc, l'Organisation internationale du travail, elle dit ça, elle dit que chaque pays est capable de définir méthodologie pour qu'ils calculent le salaire minimum par eux. Et il y a des pays qui même regardent, par exemple, au niveau de famille, comment ils vivent, et couche comme c'est une date qui se pose affecter pour le salaire minimum, qui vivent dans la famille pour qu'ils aient plus ou moins un salaire qui est capable de faire plus ou moins. Et qu'à vivre, ils ne peuvent pas vraiment satisfaire. Dans le pays, tant qu'à Haïti, ils ne peuvent pas vraiment satisfaire besoin de manière. Il va dire complète, ok, mais quelque part, on a capable de vivre avec elle. Maintenant, après mise en place institution ça, c'est institution ça lui-même qui prend le temps de la faire tout calcul pour proposer maintenant à gouvernement un niveau de salaire. Et lui-même, pour institution ça lui fait non seulement lui consulter le secteur patronat, tout, ok, pour garder ensemble de questions. D'ailleurs, il y a un représentant au là-dedans tout. Donc, ça veut dire que c'est ça. Donc, l'État lui-même lui joue un rôle facilitateur. Donc, il facilite la discussion au fait. Les mettons structure en place pour que il y ait des études techniques qui fassent ces questions et que qu'on a là résultat que vous portez par l'État lui-même qu'on a là pour décider sur lui avec cabinet et des consultants capables de gagner en économie ou bien des experts en politique publique parce que ça sont gros bail de politique publique que les question et décider sur salaire minimum ou pas et vous pouvez même question de analyse de politique publique là tout facteur comme si qui entre en ligne de compte pour analyser et en politique publique, tu as une loi sur le salaire minimum, par exemple. Donc, expert en politique publique, tu as tout le statut sur ça. C'est-à-dire, même si le Conseil supérieur des salaires, tu as fait proposer un bagage par le gouvernement, donc le gouvernement suppose qu'il y a des experts en politique publique pour garder la question pour voir est-ce que pas gagner des implications économiques, bien sociales, ou bien même politiques. Parce qu'il est arrivé que les gens que bah, elle a fait et puis il y a un coup politique. Ok, tout ça. Donc c'est ça. Donc l'État c'est ça et nous croyons que et bon, on a pas besoin de temps là pour nous comment bagaille pour le définir là jusqu'à ce que mais j'aime de l'État si on le facilitateur mettre des institutions en place pour garder et dans quel niveau que ça va augmenter que les mêmes décisions finales là les revient à l'État pour le. Très bien. Alors Jean on t'a regardé là sur cette télévision nationale d'Haïti, l'État on va le jouer, patron on va le jouer et ouvrier tout on va le jouer et société civile là d'une manière générale, on a un rôle pour jouer. La question, ça nous a aidé à créer des conditions pour améliorer son monde qui travaille et pour gagner harmonie en différentes couches dans la société. Nous allons regarder l'intervention du ministre de la Communication, Culture et Communication, Guilherme Sidelva, lui-même qui fait autour de la question salaire minimum, non, parce qu'il a porté parole l'État, parole gouvernement, parole pouvoir. Et gardez position ni après ça n'a venu pour nous continuer commenter et porter lumière technique pour vous avec invité nous et ben Rifor Serran qui avec nous sur plateau c'est Zamou Lionel Edouard qui a mené des bails en garde séquence là après pour nous tourner pour nous continuer parler parole qui a porter lumière en de la caille. Au pays comme Haïti et c'est pas en Haïti seulement même dans d'autres pays c'est normal, ou jeune des ouvriers qui travaillent, qui t'arrêtent de gagner de meilleures conditions de travail, qui t'arrêtent de gagner un salaire qui est plus intéressant. Tout le monde a souhaité ça, et bien, c'est le gouvernement, l'État a souhaité effectivement que l'employé soit capable d'avoir un meilleur salaire, pour être capable de vivre plus bien, parce que nous connaissons qui difficulté que le peuple haïtien a fait face. Mais nous devons faire ça en toute responsabilité. Donc, ce n'est pas parce que nous t'avons que l'employé gagne plus cob et pour nous juste dire nous augmenter à X% sans que pas un calcul qui fait et à travers institution pour faire. Vous comprenez bien, il y a un conseil supérieur des salaires qui lui-même, c'est instance qui est chargée pour étudier la question de ça.
Et ce n'est pas un bagage unilatéral qu'un gouvernement a fait. C'est-à-dire, dans l'instant ça, où il y a un représentant du gouvernement, mais tout il y a un représentant syndicat, et il y a un représentant patron et tout. Donc, ce sont des bagages qui vous faites de concert. Et le problème n'a posé, Yoshita, il a discuté à tête reposée pour garder dans quelle mesure n'importe quelle décision capable de prendre, capable de servir intérêt toute partie qui concerne. Donc, c'est dans tête fouette ou fait. Donc, l'homme apprend par exemple que Gagné Zach Brigandage, directeur général Sonapi, a expliqué, qui fait dans le lieu de travail là, parce que des ouvriers dans sous-traitance là, a essayé créer la trouble, et je pense que ça n'a pas vraiment arrangé, il n'a pas arrangé eux-mêmes tout. Et il y a l'autre monde qui est dehors, qui peut-être a venu jouer un travail en dedans, qui pourra le pénaliser, dans le sens que il y a des gens qui ont préparé pour venir investir dans le industrie. Il y a des étrangers qui sont prêts pour venir investir, il y a des démarches qui sont en cours là, pour créer plusieurs dizaines de milliers de travail en plus dans le parc industriel. Là. Mais les regarder, ils voient que les gens viennent, ils ont fait un brigandage, craser, briser en dedans le parc industriel. Ça, on va quoi s'encourager, là, pas encourager, le monde vient investir dans ce secteur. Alors que déjà, il y a environ 44 000 emplois qui sont créés dans ce secteur. Et il faut qu'on fait pour créer plusieurs dizaines de milliers d'autres emplois. Bah, c'est ça qu'on a besoin dans le pays. Pour plus de monde capable de joindre un emploi pour organiser avec la famille, pour que ne pas obligé à continuer à subir tout. Problème de malcité que nous connaissons qui gagne, enfin, de pauvreté qui gagne, et de monde qui vraiment pas capable de subvenir à ses besoins fondamentaux. Le gouvernement lui-même travaille ici, adresser le problème de Mounsao et faire des investissements qui sont capables directement d'atteindre Mounsao. Maintenant, vous avez des positions ouvrières qui croient que je dis avec la réalité sociale, la réalité économique est très difficile. Si ça a bien un meilleur, il n'y a pas aidé à répondre à un ensemble d'obligations qui a fait face. Et c'est une raison qui fait que quoi je dis, faut le gouvernement a penché sous l'augmentation et où est-ce allé à la hausse et bataille pour ça. Eh bien, c'est ça tout pour nous garder. Parce que là, on a parlé, par exemple, autant de questions gaz qu'on a parlé, prix gaz. On a vu sur l'Italie. On a vu sur l'Italie, mais il est lié à Sam Abdulantou. C'est-à-dire, pour que l'État capable de supporter aussi de coûts sociaux que la population a fait face, il faut des moyens en main pour être capable d'investir. L'autre dit, par exemple, effectivement, c'est le problème que l'ouvrier a confronté. C'est le problème que le secteur éducation a confronté. C'est le problème que le secteur santé a confronté. Agriculture, travaux publics, etc. Il y a un bon besoin dans le domaine ça. Dans le domaine social. Yo. Eh bien, à qui ça pour faire, je ne suis pas capable de faire pour gagner des recettes pour investir dans le secteur social là, pour que les gens ouvriers ça dans le parc industriel là. Et l'autre, du monde qui est vraiment dans une situation vulnérable, comment l'État est capable d'intervenir pour aider eux? Sous-dit, l'État n'a pas dû collecter taxes, l'État n'a pas dû collecter recettes qu'il doit collecter pour être capable d'adresser les problèmes. Donc ça, c'est une incohérence. C'est-à-dire, même les gens ou jeunes qui a dit effectivement qu'il faut que l'État fasse ci, il faut faire ça, mais ils disent qu'il faut que l'État pas collecter les taxes, il ne faut pas collecter les droits qu'il gagne sur une série de produits qui pour faire le jeune moyen, pour le faire justement, ça a demandé. Donc, je pense que c'est cohérent. C'est-à-dire que si nous disons que des problèmes, par exemple, le président a annoncé des milliers de salles de classe qui méritaient construire dans le pays, eh bien, à qui ça vous le fait? Je pense que l'elle dit ça, tout le monde dit bon, d'accord, c'est un bel bagage, c'est un bon projet pour plus de monde qui a l'école, pour nous rattraper le déficit que nous gagnons par rapport à gap qui gagne par rapport à tout le monde qui a l'école, reste tout le monde qui n'était pas à l'école. Eh bien, pour nous combler, lui, effectivement, il faut construire une salle de classe. Pour question santé, le président, entendez, il parlait de ça avec le ministre de Santé publique, centre de santé qui vous mettez, renforcement qui vous faites dans la structure de santé à travers le PIA, etc. Mais avec qui ça vous le faites? Par exemple, très souvent, moi-même, des gens disent,
au lieu de nous ajuster le prix Gaza, qui c'est Gaza Bafel, nous allons venir sur ça tout à l'heure, Gaza Bafel, et nous dit plus fort comme subvention, en tout cas plus fort subvention qui fait dans le prix Gaza, là, je joue 90% de monde qui est plus riche dans le pays, 20% de monde qui est plus riche dans le pays, ce n'est pas le monde qui est plus bas qui joue. D'ailleurs, tout le monde est clair sur ça, avant de dire quoi que ce soit d'autre. Donc, selon l'étude, ce n'est pas nous, même le gouvernement haïtien, non? Banque mondiale fait étude. En plus, l'autre institution fait mais, étude. Mais pour ça, le minimum, non, monsieur le ministre, ouvrier, vous parlez tout des accompagnements sociaux que tu prends. Il y a des engagements que tu prends à niveau ça, qui sont en bus, ou pas chaud. Mais semblait jusqu'à présent, vous pouvez sentir ensemble mesure ça atterrir sur vous, et ça fait tout encore le plus. Oui, mais il y a une mesure qui est appliquée quand même dans ce sens-là. Soit dans le parc industriel, là, sur question de manger, il y a un effort considérable qui fait dans ce sens-là. Même sur question de transport, il y a un travail qui fait déjà. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que vous êtes capable de répondre à toutes ces exigences. Et l'État a des carences. Et c'est ça que fait l'État même a cherché à combler les carences pour capable permettre de joindre les moyens pour que l'État soit capable de répondre à toutes obligations. Donc, ce n'est pas un problème avec ça, non? L'homme fait critique dans ce sens-là. Mais l'homme fait critique dans ce sens-là. En même temps, le monde qui dit que l'État n'a pas collecté de taxes, il ne faut pas laver tout. De ça, le gouvernement a fait effort pour collecter des taxes, pour que les jeunes recettes pour faire activité ça. C'est-à-dire, les gens qui sont victimes, qui sont censés dans cette situation, il faut que vous compreniez. Il n'y a pas qu'à allier avec les gens qui ont dit pour l'État pas de moyens. C'est-à-dire, les gens sont supposés allier de l'État, allier le gouvernement, allier l'État pour permettre que l'État ait un moyen pour l'aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, nous avons venu directement sur la question de Gaza, si vous permettez. C'est-à-dire, M. Djoula, ce n'est pas vous remonter, c'est étude qui fait. Je vais venir avec même temps, mon dernier précision. Ouvrir quoi que tout, je dis à là, avec l'inflation, il y a, coût la vie qui a augmenté. Il y a l'homme automatique que le salaire là, tout à lui ajusté. Mais c'est ça, m'a dit là. Vous parlez de l'inflation. Eh bien, il y a une chose qui est capable d'aggraver l'inflation, justement. C'est déficit. Parce que l'eau pas collecté, taxe pour collecter. Parce que m'oblige toujours retourner la question parce que le ramène même côté. L'heure où mon abdou faut pas collecter taxes. Mon abdou faut subventionner prix gaz qui pourra joindre 20% de monde qui est plus riche dans le pays, c'est bénéficiaire. Mais ça cause déficit. Là. Quand il y a plus déficit et qui aggrave l'inflation. Mais on parler. C'est-à-dire, il faut que nous clair pour nous connaître. C'est-à-dire, si nous disons, d'accord. Gagner des couches de la population vulnérables. L'État a une responsabilité pour adresser le problème. Et l'État a montré volonté pour le faire. Et il commence à faire dans toute mesure qu'il gagne, il fait. La fait là. Mais en même temps, il faut que nous cohérents pour nous dire qu'il faut que nous ayons les moyens pour le faire. C'est ça, Mme. L'autre monde a dit effectivement qu'il y a une inflation. Par rapport à l'inflation, il faut que tu aies fait l'ajustement. Mais qui s'est créé l'inflation en plus? C'est le fait que nous-mêmes, nous avons un problème, par exemple, nous ne pas collecter suffisamment de taxes que nous devons collecter pour que nous ayons moyen en main nous, pour nous investir dans ces deux secteurs qui sont capables de permettre l'économie en croître, pour une croissance économique. Donc, si pas de croissance économique, et l'État n'a pas de moyens pour que lui-même l'investit dans ce secteur qui pourrait avoir croissance, par exemple, agriculture, infrastructure, tout nous c'est de domaine social tout certainement parce que des gens qui pas attendre et ça qu'il faut voir par exemple un plan gouvernement c'est pour mettre dans pays là plus de 700 restaurants communautaires. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Nous rappelons à suivre l'émission pour la Haïti 360. Nous avons parlé salaire minimum avec invité nous et Rifor Serran. Nous allons regarder qui Jean nous dit dans la thématique là. Eh bien, capable d'une conciliation qui fait pour permettre que différents acteurs qui concernent eux, ou même plus ou moins, eh bien, Jean nous a dit, eh bien, ils joignent, ils ont entente et permettent que le pays aille même pas sombrer dans la crise, ne pas sombrer dans laisser frapper. Jean ça toujours lié à chaque moment, chaque mois de mai, les gens pour nous parler de question salaire minimum. Professeur Serran, en dans intervention ministre Guilherme Sidelva, tout le monde a regardé le rôle de l'État et l'État vraiment toujours au premier rang lorsqu'il s'agit de parler de questions salaire minimum. Non. Mais je ne dis à là,
l'État, qui ça a fait, qui ça a fait pour permettre qu'il entende ça n'a pas lié à l'arrivée là-dedans. Bon, je ne sais pas tout à l'heure, là, ça, c'est jouer rôle facilitateur. Là. C'est permettre que ni ouvrier, ni patron, ils chita ensemble pour que gagnent un consensus qui joue. Parce que pas oublier que le secteur textile est un secteur qui est extrêmement important pour l'économie haïtienne. Mm-hmm. Et si nous regardons par exemple la structure des exportations d'Haïti, donc au niveau des exportations totales de biens, le secteur textile là pour compte parle, il représentait plus de 90% du total bien que nous avons exporté vers l'étranger. Mm-hmm. Donc son secteur, le secteur ça en crise, donc il est capable de gagner de gros conséquences. Si bon, bah, je vais entrer loin et dans la réflexion, mais Mabdou, ça est capable même de gagner des conséquences sur le taux de change. Très bien. Parce que les exportations, le secteur des exportations, c'est deuxième principale source de devises de l'économie haïtienne après transfert privé diaspora, quand les transferts sans contrepartie. Donc, les 11 secteurs concernés en crise, c'est extrêmement important. Extrêmement important pour que les acteurs concernés, les décideurs politiques, pour que prennent ça en charge. Okay? Je n'ai pas eu là de près de plus de 41 000 emplois et j'aime dire là de près de 900 millions de dollars à rentrer dans le pays à chaque année dans le secteur ça. Maintenant, c'est faciliter le dialogue là entre tous les acteurs qui concernent et permettre que, par exemple, les gens qui ont un conseil supérieur des salaires là rapidement que vous réunis okay, pour essayer de commencer le travail pour voir dans quelle mesure que qu'on bagaille est capable de faire là dans le niveau ça. Parce que pas oublier que si nous regardons de mai 2000, en fait de mars 2017 à mars 2018, l'inflation est à 12,9%. Il y a un gros effort vraiment qui est fait pour que l'inflation passe en bas 15%, ok, parce que depuis pratiquement commencement exercice fiscal là, dans le cas d'inflation, sous cas de coupe là, on coupe et porte là négatif, ok, donc négatif. Donc ça veut dire que, mais on ouvrier qui te gagne 100 gouttes dans poche li en mars 2017, en mars 2018, 100 gouttes ça va vaut 100 gouttes encore, il vaut presque 87 gouttes, donc il perd presque 13 gouttes là-dedans. Ça veut dire que, quelque part, si l'inflation est à 12,9% au mois de mars, donc, si que vous dites que vous avez toujours ajusté ça à minimum par rapport au coût de la vie, mais le coût de la vie a augmenté. Donc il va augmenter dans le même rythme que qu'on a pris à 15%, il a augmenté. Donc quelque part, il y a moyen de trouver un consensus avec le patronat pour voir dans quelle mesure que qu'on est capable de faire des choses. Même quoi que. Et en tout cas, c'est possible parce que je me suis dit, dans le même mois, mais ça, lorsque tu as un problème dans la question. Et, décision que tu prends pour augmenter le prix du gaz, là, on a entendu qui te joue dans le gouvernement avec les syndicats. Donc, même quoi que les syndicats ont juste besoin, ils ont besoin de passer des paroles d'honneur, bon, qui peut être pas facile. Mais parce que les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils comprennent nous. Mais si que ne sont pas là, ils ne sont pas respectés les paroles, ils ne sont pas respectés les mots, donc c'est normal des fois que ne pas prendre ça ou dire. Alors, il n'a pas parlé du rôle de l'État, généralement, mon ouais, et gouvernement, et à l'heure, c'est très bien que tu fais ouverture ça pour nous dégager l'implication du Parlement. Ouais. Pratiquement un an après, pas gagné qu'un texte de loi, pas gagné qu'une résolution qui prend au niveau du Parlement, justement, pour statuer sur question salaire minimum non, et même les questions de protection sociale que nous avons parlé pour ouvriers. Qui ça a expliqué ça? Bon, les parlementaires, en tant que représentants du peuple, moi, c'est faut qu'ils rentrent dans la discussion autour. Mm-hmm. Ça arrive que yo pas qu'à, bah, on est institutionnellement, on n'a pas qu'à prendre et rôle conseil supérieur des salaires là. Mais parce que quelque part, cadre d'intervention pour pouvoir exécutif là, c'est pas le manque de bailli. Bon, moi, je pense vraiment, j'en dis à là, l'important pour que le parlement. Il faut reboucher dans ça, okay? Parce que c'est une partie dans l'État, il y a un pouvoir qui est très fort, qui t'a supposé très fort, très puissant dans le pays. Et moi-même, j'ai des réflexions que je fais pour me montrer que le Parlement peut même contribuer au développement économique du pays. Maintenant, c'est par rapport à ça tout du haut, l'important secteur textile, là, et vraiment, nous croyons que. Si nous regardons les gens qui ont évolué là, et pas oublier que même au niveau du Parlement, il y a des commissions de questions d'affaires sociales. Bah, ça, donc, c'est des commissions qui sont supposées commencer à rencontrer avec les conseils sur les salaires, regarder qui s'est fait, qui est avec le patronat. Parce que je m'attends au prédicteur général, là, M. Cetini, qui dit que lui-même est prêt pour que y ait une entente qui joigne. C'est-à-dire que le patronat reste très ouvert aux négociations. Il n'y a pas fermé la porte, il n'y a pas fermé la porte. C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui est possible. Maintenant, il revient maintenant à l'État de donner le temps de commencer.
commencer à mettre acteurs. Alors, que nous joindre. Considérer l'État dans ses différentes composantes, à savoir le Parlement, l'exécutif, et tu as même parlé du pouvoir judiciaire là, quelque part, il y a une critique qui est toujours retournée. L'État, au lieu de voir la facilitation, il y a des gens qui ont plus comme une entité qui a protégé le patron. Il y a une critique comme ça, aujourd'hui, par rapport, je vous dis là, à important secteur textile là, est-ce que critique ça, les pas plus paraître vraisemblable? Bon, j'en dis là, on dit son critique. Est-ce que nous avons. Ils font des. Est-ce que nous avons interagi sur une critique? Qui ça me gagne même pour me dire que ça a fondé? Je ne sais pas quand quelqu'un donne même qui montre que l'État a un côté, on va et que le fait, que le protéger patron ou pas. Donc, je ne suis pas capable de dire ça. Au côté même patron, des fois, on a plein et tout. Et il y a des séries de bagailles, okay? Des séries de mesures qui comprennent. Et qui va trop en faveur, des fois. Bon, et si le conseil supérieur salaire là, au niveau que le mettez salaire là, qui n'est pas tellement beaucoup, c'est l'État publié, le bloc, même tout, il y a payé, ça va affecter, ok. Donc, moi, je ne vais pas dire ça, c'est juste une critique qu'on monde fait, donc n'importe quel monde doit faire critique ou bien spécialiste, je ne vais pas dire comme si je dis critique là, que c'est bon, mais c'est pas bon. Très bien. Alors, nous pensons assez élaboré autour de la question salaire minimum. Il y a un autre élément qui est entré en ligne de compte et qui est très lié à la question du salaire minimum. Non, c'est la question du réajustement de prix de carburant à la pompe qui pourrait créer encore, qui sont l'autre source de problèmes dans le pays. Parce que chaque fois que le gaz a monté, eh bien, il y a un problème parce que le gaz, là, justement, comme un produit, et nous capables de dire qu'il gagne qui transversal un produit stratégique, eh bien, les mêmes tout, il y a des impacts sur les conditions de la vie dans le pays. Et justement, demande d'augmentation, d'ajustement du salaire minimum, li entre tout dans la perspective que le prix gasoline n'a pas monté. Nous allons gagner pour nous commenter, eh bien, annonce ça que tu as fait là, sur question augmentation du prix gasoline, avec invité nous renforcer, professeur d'université de son état, économiste et également, eh bien, qui pourrait gagner pour dire nous, qui j'en comprends une question augmentation du prix gasoline. Mais juste avant que nous fassions ça, nous allons regarder une séquence ensemble avec. Ministre communication et culture encore, qui était étalé, qui était bas explication, qui Jean l'étalé, il vient comprendre question augmentation pour gasoline ça. Eh bien, ou même on va le gagner pour garder le tout pour faire opinion sur lui. Nous même boy ici là, nous va le gagner pour nous commenter ensemble avec invité nous pour nous aider au picler et nous comprendre eh bien dynamique qui gagne en la question et qui raison qui capable de pousser à tel ou tel autre type de comportement. On finit garder séquence là pour nous tourner pour nous continuer à commenter. Sur nos situations côté où pas gagner moyen pour faire des projets qui pour bénéficier directement à la population qui a souffert, ou dit c'est pas le moment pour joindre moyen ça pour faire. Vous bah, comprenez? Ou besoin moyen, tout le monde a plaint, effectivement, des gens ont plaint, ils disent ah, moi, c'est une situation difficile, et c'est monde qui est plus bas, et c'est monde ça au gouvernement, c'est monde ça, première obligation, c'est adresser ces problèmes. Moun ki pi bayo. Non, mais attention. Moun ki pi febio. Les gaz a augmenté, un produit pour une nécessité, un tas de augmenté tout. Oui, mais. Moun ki pi febio. Ah, mais côté pour garder, mais ça pour garder tout. C'est vrai, yon pral gagner, yon pral gagner incidence sur quelques prix que yon même kawe qui vient augmenter sensiblement. Mais, faut que yon connaisse, malgré tout, c'est pas yon même qui a bénéficié subvention que l'État baye là. C'est pas yon même vrai. C'est 20% moun ki pi riche dans pays a. Comment expliquer ça? Eh bien mais ki jan. D'après eux même. Ki moun ki gen gros machine dans pays a et peuple haïtien? Ki moun ki gen gros industrie ka boulan pile gaz. Kote a acheté des millions de millions de gourdes en gaz. Vous pensez c'est peuple haïtien? Ki moun gen gros groupe électrogène dans pays a ka boule gaz, ka vale gaz. Vous pensez que c'est le peuple haïtien? Et c'est ce secteur ça qui boule plus fort dans le gaz. Donc, le boule plus fort dans le gaz, ça dit qu'il achète plus de gaz. Tant d'acheter plus de gaz, c'est moins cobre payé par rapport à ça, le tas de payé. Et l'el paye moins cobre, là, son cobre qui est dans le même, qui te doit joindre l'État pour aller. Alors que Mounsa lui-même, il a payé cobre, il a payé taxe, il a payé et prix gaz. Et il doit payer parce qu'il a fait profit. Imagine une grosse usine. Ou ap travail, ou ap fait cob. Nous besoin, nous même nous avons problème. Non, pour nous faire cob dans le pays.
C'est-à-dire, l'homme dit fait comme là, fait comme dans bonnes conditions. Ou investit, ou baille mon travail, ou fait comme vous. Mon cher, c'est très bien. Mais où est-ce que vous pouvez payer gaz? Vous avez dit faut que l'État subventionne le vous. Ou bien l'autre monde qui dit à défendre, qui est dans le syndicat qui dit à défendre, peuple. Et puis, quand il y a là pour le monde, d'accord, il faut qu'on finance le monde qui 20% de monde qui est riche dans le pays. Il y a même d'accord pour financer. Je ne comprends pas les gens, des syndicats qui disent, mon cher, c'est très bien, ils applaudissent. On continue à financer 20% de monde qui est riche dans le pays. Pendant ce temps, nous-mêmes, l'État n'a pas de moyens en main pour l'investir pour le monde qui est bas. Bon, bah, comprends ça? Bon, bon, faut pas de commentaires avec le monde. Parce que, non. Compensation, pour garder, c'est dans le niveau social là. Effectivement, parce que n'a aucun pays, même, n'a aucun pays. Pas de monde qui remet un yé monté. Ou bien, que obligé de payer plus que espéré payer. Et pas en Haïti, n'importe quoi sur la terre. Pas de monde qui remet ça. Bon, même aux États-Unis, gaz à gaz doit monter 50 centimes, 30 centimes. Ouais, bien, monde plein pour ça. Dire, ah, gaz à vie monté là, des bagages comme ça, comme si, il y a monde qui a estimé. Ou bien, on va toujours ça. Mais, si que nous, même en Haïti, nous continuons à faire ça, affaire, alors que nous n'avons pas rien, le pays n'a rien pas fait. Il y a des pays là, vu la capacité, vu l'économie, ils ont dit, bon, il y a passé sur ça, il y a pas de subvention là, etc. Ça n'a pas tellement dérangé, non? Ils ont même pas fait, non? Ou même qui n'a pas rien, qui n'a pas de capacité déjà, comme si nous avons dit, c'est goût, nous avons et vous avez dit, je prends un exemple, ça, m'a prévenu comme si Ndadjou, ou même, ou a plein, ou pas de manger. Ou pas de manger pour manger. Ou pas suffisamment de manger, la caille, ou pas de vraiment manger. Et puis, quand il y a là, ou du gars, c'est manger pour bailler. Moun! Et moun qui a mangé la caille déjà? Et ça, on a fait là. Comme si Ndadjou nous dit, nous pas manger, nous avons problème pour manger. Parce que nous dit, en même temps, nous dit, nous avons mangé pour nous bailler moun. Qui peut bien passer nous? Est-ce que vous avez fait ça? Comme si le gaz là, nous pas produire gaz ici. Nous achetons gaz sur le marché international en prix. Et puis qu'on y a là, nous pas de gaz. Et puis qu'on y a là, nous dit, mon cher, nous avons informé pour nous subventionner 20% de monde qui est plus riche dans le pays le que nous avons. Bon, bon, puisque nous sommes dit tout à l'heure, et monsieur le ministre, gaz à son produit transversal, c'est parce que pour l'augmenter, il parle d'un incident sur l'autre produit dans le pays. Et parallèlement, l'argent que nous touchons n'a pas augmenté. Et c'est même genre, et là, on a besoin peut-être plus l'argent pour acheter même quantité de biens et services que tu connais. Même si compensation sur le niveau social, il faut que l'État ait moyen pour l'investir. Mais comment sous yo? Mais qui est arrivé sous yo? Il était simple. Ok? C'est-à-dire, on va retirer les subventions pour ne pas suspendre financer les gens qui sont riches dans le pays. Ok? Pour qu'on ait un cob là-bas. Cob ça, ou bien dans le monde, comme l'État, ou pas l'autre bail pour faire avec, c'est investir directement dans un projet qui pour améliorer les conditions de la vie de moun sa ou piba. Que c'est programme social qu'a fait yo, que c'est programme création d'emploi qu'a mis en place, que c'est programme pour créer cadre qui vous permettre moun vin investir dans le pays pour créer job pour économie au marché, c'est ça au besoin faire, faut que moi ça vous faire, on va quitter la même moun qui est riche là. Ou faire au balil, alors que lui-même, il a payé gaz, il n'a pas supposé besoin de subvention ça. Et puis, quand il y a là, pendant qu'on fait ça, ou pas qu'à adresser le problème moun en bas. C'est-à-dire, pendant qu'on dit, bah, et puis à monter, moi, je dis, par exemple, Gaza, ce n'est pas en Haïti. Et nous, dans la région là, c'est nous qui avons pris plus bas. C'est nous qui avons pris plus bas là. 3,44 $. Ok? Il y a l'autre pays dans la région là, il y a plus de 6 dollars. En République dominicaine là, il y a pratiquement 5 dollars. 4,9. Donc, pratiquement 5 dollars. Mais ce n'est pas, c'est pas. Comme le problème, là, c'est l'économie. Hein. L'État a des responsabilités pour l'assumer, pour être capable d'investir dans des secteurs clés pour raviver l'économie. Hein. Mais c'est là où parce que. Pas doit perdre du commun du comme ça al prendre sous frontière
Justement. Ah, monsieur. Ça me fait mal à voir. Parce que j'ai des commentaires qui allaient dans le sens qui dit qu'on a perdu une question monsieur. Contre bonne. Pour que ça gouvernement parle au niveau ça. Gros somme tout de monde qui est exonéré, qui va payer taxes. Pour que ça tourne, pas essayer de garder l'aspect ça, okay. Qui t'a aidé nous gérer les déficits. Premièrement, sur ça concerne les gens qui sont exonérés, gagner des institutions, gagner des organisations, gagner des entités qui, par la loi, par la loi, c'est pas pareil également, gagner des gens qui, par la loi, gagner des exonérations. Où il y a là, si il y a des gens qui estiment, comme si citoyen qui aide l'État d'où. Il n'y a pas forcément un impact sur l'économie. Non, Mabdou. Citoyen, moun qui connaît une information qui aide l'État d'où. Qu'on y a, parce que dans l'État, gouvernement ça, président République là, c'est pas que l'y connaît, l'y dit tout bas marcher bien dans l'administration. L'y parle de corruption, c'est pas extraterrestre. C'est pas d'extraterrestre à parler, c'est des haïtiens pareils nous, qui a fait corruption. Donc ça dit que y a des problèmes d'administration. Président reconnaît ça. Premier ministre Jacques Guilafort en compte ça. Donc, si vous même connaissez, mais il y a des gens qui n'ont pas mérité l'exonération, qui ont joué dans le chemin de tourner, je garantis ça. Le président regarde, il a coupé ça, il a assuré que ça a coupé immédiatement. Et il y a des gens qui ont pris les conséquences si c'est faux du fait. Parce que les gens qui ont arrêté là, le président a parlé de lutte contre la corruption. Il n'y a pas vraiment l'air. Depuis qu'il est en Haïti, il y a autant de gens dans la prison. Qui est arrêté, il n'y a pas faux monde, non? C'est des gens dans l'administration, aller ou abjou, ou apouéo, agjéo. Donc, ça veut dire qui ça? Ou pas qu'à dire que, comme si le gouvernement ça, il n'y a pas fait, il n'y a pas bail signal, il n'y a pas des signal. Mais il y a corruption toujours. Le président Jovenel Moïse, pour aller, il y a corruption dans le pays, il y a toujours. Mais il a fait tout ça possible pour craser même corruption. Mais... Haïti 360, après nous finissons de parler de questions salaire minimum, nous avons parlé de l'ajustement Prigazio, pratiquement, renforcerant l'argument majeur, ministre de communication, qui dit la communication, Guilherme Cédelva, c'est le fait que Jean Dia n'a pas subventionné Mounki Richo parce que pratiquement gaz là plus profiter à Mounki Richo que Mounki Povio. Un argument comme ça, il est valable dans le contexte haïtien? Bon, c'est des discours que je entends déjà, ok? Et le contexte là, c'est que, parce que, bon, il y a plus de monde qui boule le gaz dans le pays, c'est eux-mêmes qui affectent, en fait, subvention, c'est eux-mêmes qui bénéficient plus de eux-mêmes. Bon, je crois que chaque monde, dépendamment du niveau où il est dans le pays, à niveau économique, ou affecté de un niveau par rapport à l'autre, ok? Donc, il n'est pas égal. Il n'y a pas de égal. C'est même genre, tout le monde vit dans le pays, tout le monde n'a pas le même niveau de salaire, tout le monde n'a pas le même genre. Donc c'est normal que un monde qui gagne des véhicules ou bien de l'autre et machines ou bien engins qui boule le gaz. Donc c'est normal que vous boule plus de gaz et que probablement les subventions que l'État baille là plus bénéficier de lui-même. Même le monde qui est dans la réalité, même les gens ont déjà bénéficié de subventions. Parce que je dis à la si le prix gaz là, si l'État retire toute subvention en net, ok, donc ça va bien passer. On voit ensemble les prix qui va augmenter, mais prix ça là tout dans l'autre bord. Qui est-ce monde qui a bien plus possibilité pour l'acheter un bagage pendant prix a augmenté? Est-ce que c'est les goudi qui riche là ou bien Mati Malheureux? Très bien. Donc tout ensemble des paramètres faut bien analyser. Ça fait dans tout pays sérieux. Les décisions qu'on s'apprête à prendre contre ça gouvernement au fait et notre pays comme c'est capable diriger de manière scientifique, il fait ça on analyse coût bénéfice, ok? Analyse coût-bénéfice pour garder, mais qui ça coûte, c'est que je dis à moi, augmenter le gaz là, le gaz là, et mais qui ça bénéficie. Que l'offre fait bénéfice divisé par coût, si le bord a un chiffre qui est inférieur à 1, le gouvernement ne peut pas prendre décision. Il faut que les supérieurs à 1 ou bien les gars là, ils prennent décision. L'autre argument que le ministre Guilherme Cédelva a avancé, c'est le rapport ça que le fait entre prix dans l'autre pays, dans la zone avec Haïti. Mais on a gardé l'émission là, car la réalité socio-économique n'est pas même exact. Tout. Est-ce que le argument ça? Non, exact, c'est clair. Et ce n'est pas seulement en Haïti, on subventionne le prix carburant. En République démocratique du Congo, on subventionne le gaz. Tout. En Indonésie, bon, même si l'Indonésie, on a mieux fait gaz, tout, mais on subventionne le prix carburant. Ça veut dire que les bagailles qu'on a fait en Haïti, c'est les bagailles qui sont liées, j'aime tout là, à le contexte socio-économique pays. Okay? Donc ça veut dire que. C'est depuis longtemps que vous avez que par exemple, et gaz là sont produits transversal que lié. Donc, si le prix gaz là est extrêmement élevé, donc la pénaliser en pile. Et pas que direct et immédiat. Ok, et pas que direct et immédiat. Maintenant, donc l'État, il y a une décision que tu prends pour que l'État lui subventionne le prix gaz là.
Bon, maintenant, il revient à l'autorité. Si on décide de connaître le point de prix, il y a des avantages vraiment peut-être pour les finances publiques, peut-être qu'il va éviter le pire, okay, au niveau des finances publiques, mais les conséquences sur le reste de la population, donc il n'y a pas été visible. Maintenant, est-ce que le niveau de programme social que vous mettez en place, comme ça, pour compenser mon yo là, est-ce que le programme social est-ce qu'il fait web rapide? Est-ce qu'il fait web rapide? Est-ce que comment le programme social va le faire? Parce que nous connaissons des problèmes d'institution en Haïti, des bagages fait. Mm-hmm. Est-ce que des gens qui sont côté bien loin, okay, dans des sections communes, à l'ouest commune, bas, ils vont arriver à joindre nous? Donc, c'est un ensemble de questions que vous avez posées aujourd'hui. Là. Et nous croyons que c'est une décision qui est très difficile. C'est que la preuve, bah, si y a payé. Bon, il n'y a pas dit qu'il a retiré toute subvention. Il a toujours annoncé que ça a augmenté. Mais son annonce, ça a arrivé tout que l'augmentation n'a pas fait, mais d'abord de l'évolution. Nous ne connaissons que dans quel niveau. Nous ne connaissons que dans quel niveau, mais nous croyons que la décision, ça allait répondre, c'est le prendre, la répondre vraiment à un besoin qui gagne au niveau des finances publiques. Parce que la situation qui a développé au niveau des finances publiques, qui montre que l'État, vraiment, il y a un ensemble de déséquilibre, il faut qu'il comble là. OK, on a parlé de financement monétaire qui. Au 10 même dégradel qui n'a presque plus passé 11 milliards de gouttes, donc ça veut dire que et là regardez sous regardez évolution prix baril pétrole là vraiment est-ce qu'on est en mai 2017 lorsque tu gain augmentation on changer tu gain baril pétrole une augmentation de 18% de prix gaz sur marché là le ça prix baril pétrole là était $48 américains aujourd'hui on connait prix baril pétrole là plus $71 aujourd'hui et de mai 2017 à aujourd'hui là pas jamais aucun ajustement des prix qui fait. Donc, on a parlé d'augmentation de prix baril pétrole de près de 45%. Et si on regarde pendant le mois qui s'est passé à la tour, le prix baril pétrole a augmenté de près de 7%. Et pas jamais un ajustement qui fait. Et si on a un problème qui est en Haïti, c'est l'ajustement automatique au niveau des prix et à la pompe qui n'est pas fait. Même si on fait avec l'Orbit Dominicaine, ouais, avant hier, on a appelé dans la liste de diario, il y a annoncé du 19 mai au 26 mai, le prix gaz de l'Orbit Dominicaine a augmenté d'environ 5 pesos. Il fait ajustement automatique. Et États-Unis, bon, je me longue le week-end, là, je me regarde, et puis le gaz la font augmenter, tout de quelques cents là, aux États-Unis. Donc, ajustement est fait automatique. Donc, les gens développent une culture, une pratique avec le prix gaz là. Au final, c'est pas l'augmentation du prix gaz là en lui-même qui bat le problème, mais c'est surtout une situation socio-économique globale là qui permet que les gens, eux-mêmes, à chaque fois que un petit bagage sorti dans le revenu, pour aller payer des frais que vous n'avez pas de prendre, vous le payer, qui viennent. Créer et tension ça dans la société. Exactement. C'est comme ça que lié. Et bon, l'argent économique est irrationnel. Et même, j'ai manifesté pour ça, les minimum. Mon conseil est de trouver que bon, ça n'a pas qu'à répondre avec besoin. Donc, comme l'irrationnel, elle prévoit que le prix du gaz va augmenter. Bon, tu commences à manifester pour moi dans petit bagage en plus. Donc, nous croyons que c'est ça. Bon, nous seulement espérer que. Et programme social que vous avez mis en place et que vous bien fait de manière structurée et que vous entrez dans le cadre vraiment une politique de protection sociale, côté que vous ensemble de acteurs qui impliquent, soit l'université, le parlement, ok, tout ça. Parce que j'aime tout à l'heure là, si nous étions dans faire de petits projets, des petits bagages à droite à gauche, comme ça, on a toujours été dans le même bagage là. Si nous n'avons pas vraiment fait politique publique, j'ai politique publique demandé pour le fait, vraiment, on a toujours rentré dans le même problème ça. Et l'année prochaine, je viens là encore, si vous arrêtez cette subvention, on est nous allons en reparler encore. De même bagarre. Et l'autre bagarre extrêmement important que m'a dit parlant de bagarre gaz ça. Il y a plusieurs choses. Moi crois que je dis en Haïti, bagarre ça fait que nous obligés commencer à réfléchir en l'autre gens. Je dis on a parlé de énergie verte, on a parlé de énergie renouvelable. Moi crois que son occasion tout pour que gain des appels qui lancés à des entreprises pour que commencer à transformer des sources d'énergie alternative. Exactement, transformer et source d'énergie. On regarde l'hôpital Mibale là, pas grand qu'un génératrice, tout c'est pas parce solaire. C'est un pays qui part pour du pétrole, Costa Rica, trop dépendant. Costa Rica c'est premier pays dans Amérique latine, à Caraïbes là ou bien dans continent américain qui atteint un objectif du millénaire, un objectif de développement durable des Nations Unies, objectif 7 là, énergie propre. Costa Rica produit 100% énergie avec énergie renouvelable. Donc pas dans pétrole là, comme quoi que faut rentrer dans dynamique, ça faut faire promotion pour lui et gagner un bac dans capital là, m'a cité dans le cap faire pour cap bail crédit prêt à l'énergie, on va comme ça. Mais faut que nous encourager pour que vraiment nous développer un bloc de mode de comportement, parce que nous pas arrêter chaque année n'a tourner dans même spirale là, dans même bail là. Et je fais un appel à l'université pour que grand ensemble de problèmes qui passent en Haïti, parce que l'université a un problème parce que pas gain fonds et pas financer recherche, ok, pas gain des motivations étudiants avec des professeurs, pas développer culture, ça c'est tout qui a crise, ça veut dire que problème avec un salaire minimum ou bien autre bagage. Donc c'est des travaux de recherche qui est capable de produire, qui mettait fin à bagage ça. Et si elle a fait de manière scientifique, tout le monde comprend, ni tout intellectuel après ça parler de lui, ou t'as pas que gain des problèmes que nous résoudre dans le pays. Donc
Et moi, en gros, c'est ça. Et moi, que bon, on a pour nous ça qui va venir. Même quoi que si ça fait vraiment, et bon, monsieur a obligé de dégager, comme déjà, pour que gagne une belle image, de bon signal, de bonne gouvernance et d'une meilleure gestion au niveau des finances publiques qui vont. Okay? Ce salaire minimum dans la tout, question de augmenter le salaire minimum là, ta caille en compensation justement à prix gaz là pour aller monter pour te permettre justement de gagner un apaisement fait dans la société. Bon, c'est le fait. Bon, salaire minimum, c'est le fait et les compensations elle apparaît automatique. Ok, mm-hmm. Si vous augmentez le salaire minimum là, et puis prix gaz là vient augmenter, donc compensation automatique, j'en dis là, qui a fait. Ok, mais maintenant j'en dis là, il reste à voir. Et bon, c'est comme si on cigare ou bien la clim maintenant deux pointes là, ou bien deux bagailles, deux dossiers, oui, deux dossiers qui vraiment chaud là. Bon, nous même et bon, nous dit qui ça va là et qui ça conséquences. Et j'aime ça de la table là, augmenter prix. Et gaz, il est capable bon pour finances publiques là, mais il y a des conséquences sur le reste de la population, notamment le secteur transport. Mais regardez transport l'année passée, 20% d'augmentation inflation, c'est dans le secteur transport que ça dit. Parce que nèg là qui n'a gain camionnette là automatiquement prix gaz a augmenté, faut prix transport augmenter. Moun nan cap ti marchand qui dans la rue a cap vendre nan cap acheter bagaille, m'pa connait. Soit qui tout monde ou bien qui dans l'autre gars. Donc il va payer plus cher pour transport, donc il est obligé mettre un petit bail. Restaurant lui-même qui gain plate manger là vendre. Qui ça le boule, il va y avoir courant, il va y avoir courant, bon, il y a une génératrice, ok, qui a passé, ah, pour dire, donc, si on a consommé plus de gaz, c'est sûr que c'est sous plat manger, sous prix chambre, que vous allez mettre un petit bagage en plus, donc c'est là que l'inflation est venue augmenter dans le pays. Maintenant, quelle sera l'alternative au niveau des autorités pour que l'inflation ça va essayer de combattre là, bon, ça sont l'autre bagage, parce que l'inflation a plusieurs sources, et ça fait bon, question de production nationale que nous avons, qui fait que plus fort bagage n'a pas importé, ok, donc tout ça c'est des bagages pour adresser pour que si on problème on va être capable de développer dans l'autre côté, faut qu'il y ait de l'autre initiative qui peut prendre l'autre côté, nous capable de compenser. Nous avons fait le tour de la question 360 degrés. Eh ben, et Rifor Serran, merci en pile pour apport dans l'émission ça qui permet que lumière arrive joindre population en dans la caille par rapport avec question ça yo salaire minimum nan, et surtout question gaz là et lui-même qui toujours créer des tensions en dans pays là. Eh ben rendez-vous cassé pour nous continuer par parler paroles éclairées en dans émission pour la Haïti 360, mais c'est dans prochaine édition. Bye bye tout le monde.